Comment ChatGPT peut vous aider à préparer des recettes saines et vous aider au supermarché? ChatGPT peut vous aider à créer des recettes de cuisine pour une famille de 4 personnes par exemple pendant 5 jours et classer la liste des ingrédients par rayon. Voici les étapes à suivre. La planification des repas. Tout d'abord, il est important de planifier les repas pour chaque jour de la semaine. Vous pouvez prendre en compte les préférences alimentaires de votre famille ainsi que les ingrédients que vous avez déjà à la maison pour éviter le gaspillage en disant à ChatGPT ce qu'il y a dans votre frigo. Vous pouvez également inclure des repas simples et rapides pour les soirs où vous êtes pressé. La liste d'ingrédients. Une fois que vous avez planifié les repas pour chaque jour ou que vous avez demandé à ChatGPT de vous planifier les repas pour chaque jour, vous pouvez lui demander de créer une liste d'ingrédients pour chaque recette. Il est important de cumuler la quantité nécessaire pour chaque ingrédient pour éviter les achats inutiles, mais ChatGPT s'en chargera. La classification des ingrédients par rayon. Ensuite, ChatGPT pourra classer les ingrédients par rayon pour faciliter vos achats au supermarché. Par exemple, les fruits et légumes peuvent être regroupés ensemble, les produits laitiers dans un autre rayon, les céréales dans un autre, etc. Cela vous permettra de gagner du temps et d'éviter de chercher des ingrédients dans tout le magasin. La vérification des ingrédients en stock. Avant de faire vos courses, vérifiez les ingrédients que vous avez déjà à la maison pour éviter les achats inutiles. Vous pouvez dire à ChatGPT ce que vous avez déjà en stock. Cela vous permettra également de mieux gérer votre budget. La réalisation des courses. Enfin, vous pouvez faire vos courses en suivant votre liste d'ingrédients classés par rayon pour éviter de perdre du temps à chercher des ingrédients dans le supermarché. Pour aller plus loin, ChatGPT peut également vous aider à trouver des recettes adaptées aux préférences alimentaires de votre famille et planifier vos repas chaque jour de la semaine. N'hésitez pas à le tester. Sur la version ChatGPT 4, qui est capable de reconnaître les images, vous pourriez par exemple prendre en photo votre frigo et envoyer à ChatGPT pour les recettes. Cette fonctionnalité n'est pas disponible pour tout le monde, elle est présente dans ChatGPT 4, mais la reconnaissance d'image passe par une autre startup de OpenAI. Vous aurez bientôt des nouvelles sur le sujet. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.